Que oui, je peux comprendre. Oui, oui, vous avez raison, oui, vous avez peut-être la haine, peut-être que c'est de la colère, peut-être que c'est de la rage ultime, peut-être de la tristesse, peut-être que vous avez juste envie de m'étrangler à mon tour. Oui, je viens de faire ça, et non, je n'ai aucun remords à ce geste morbide. Il est temps, mes loulous, que je vous explique pourquoi est-ce que je viens d'éventrer la canonnière. Pourquoi est-ce que je viens de lancer le X-Wing par terre. Et rassurez-vous, regardez, il n'a rien, il est monté derrière moi. Chers amis, aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que depuis plus d'un an et demi, plus de deux ans, plus de trois ans, je ne sais pas, je n'ai pas compté, vous ne voyez plus de Lego Star Wars sur la chaîne. Eh bien, tout simplement parce que j'en suis arrivé là. Du Lego, là, c'est hors cadre, du Lego Star Wars, je n'en peux plus, je vais vous en donner les raisons, je vais vous expliquer aussi un petit peu pourquoi je trouve que cette gamme, malgré tout ce que Lego peut faire de très joli, notamment le dernier AT, l'UCS, bref, il y a des choses qui sont bien, et il y a des choses que je trouve tellement, tellement dommage, parce qu'ils pourraient faire tellement mieux. Mais non, ils font pas bien, et ça me rend ouf. Mais je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, alors sortez les mouchoirs, peut-être, c'est parti, j'arrête de bavarder. Alors la première raison de cet arrêt des Lego Star Wars, tout simplement, c'est parce que je suis petit à petit en train de sortir un petit peu de la saga. Je m'explique, attention, non, je n'ai pas arrêté d'aimer Star Wars, c'est une très très bonne saga, j'ai grandi avec, je les regarde encore de temps en temps, mais je ne suis plus les univers canon, je ne suis plus les livres de Boba Fett, The Mandalorian et les 8000 autres séries qui sortent actuellement. De mon point de vue, ça fait vraiment usine Afrique, on est là, on fait du bif, sûrement que c'est très bien produit, etc. Mais j'arrive pas à m'y faire. Pour moi, Star Wars, ça restait les 6 films, 9 peut-être si on veut aller dans le graphisme, mais c'est pas tout ce qu'il y a eu autour, même si c'était très bien, encore une fois, ça a été The Clone Wars, c'est très bien construit, Star Wars Rebels, j'ai regardé pendant un moment, mais il y en a trop. À chaque fois qu'on me dit est-ce que t'as vu, je réponds non, parce que, un, j'ai pas le temps, et deux, j'arrive pas à me situer dans ces personnages-là, j'arrive pas à m'identifier, bref. Du coup, il y a ce petit déclin par rapport à la saga Star Wars, et ben, j'étais déjà sur un pied d'égalité avec la saga Harry Potter. Et Harry Potter, pour d'innombrables raisons, commence à vraiment prendre le dessus. Et ben voilà, du coup, Star Wars baisse un petit peu dans mon estime. C'est encore une fois un point de vue personnel, ne nous affolons pas. Mais voilà, j'avoue que en ce moment, je suis moins dans le Star Wars. Là, j'ai vu qu'il allait avoir un film avec Ben Kenobi. Bon, j'irai peut-être voir, parce que Ewan McGregor, ça reste quand même un très bon acteur. Mais voilà, je veux dire, j'ai pas du tout regardé le livre de Boba Fett, j'ai pas du tout vu The Mandalorian, et du coup, ça m'amène au deuxième point, les Lego qui sortent ne me touchent plus du tout. Alors oui, les sorties qu'annonce Lego à chaque fois en termes de Star Wars, ça en fait sûrement rougir plus d'un d'entre vous. Certains se disent, ça y est, c'est le moment de vendre ma sœur pour pouvoir m'acheter des Lego. Je suis d'accord avec vous, vendez votre sœur. Évidemment, il y a que ça qui marche. Mais vendez-la en pièces détachées parce que ça rapporte plus. Après ce conseil morbide, évidemment que certains d'entre vous se disent, ça y est, ils vont sortir le vaisseau The Mandalorian, ils vont sortir le énième truc de Boba Fett, j'en sais rien. Mais moi, ça ne me fait plus rien. Avant, oui, j'étais comme vous, je me disais, fouah, nouveau battle pack, tiens, prends 15€, donne-moi mon battle pack, 4 figurines, un véhicule, ça marchait. Mais maintenant, c'est, fouah, un battle pack, tiens, prends 50 balles, je prends 2 figurines, fouah, ça marche plus. C'est plus comme ça, ça a trop changé, merde. Je suis désolé, il y a un moment, faut dire les choses comme elles sont. On paye le battle pack 15, 20 boules, 30 boules bientôt. On est où là-haut? Regardez le battle pack de la 500ème. Comment on en est arrivé là? Je me pose sincèrement la question. Avant, le battle pack, c'était 15€. Et on était bien avec 15€ de battle pack. Je veux dire, voilà, tout le monde était content. Lego faisait sa marge. Nous, on avait 4 figurines. Le monde se portait bien. Je veux dire, maintenant, on a un battle pack à 30€. Il y a le coronavirus. Les Russes veulent nous envahir. Au-delà de ça, il y a plein de vaisseaux que je ne connais pas. Alors évidemment, je ne regarde pas les séries. Vous me direz, bien joué, Sherlock. Mais je veux dire, ils sont pas frappant, vous voyez, pour moi, Star Wars, et ce qui était bien, c'était qu'on avait des trucs par rapport à l'univers auquel tout le monde pouvait s'identifier. Les X-Wing, vas-y pour les AT-AT, et vas-y pour les T-Fighters. Lego est un peu tombé dans la facilité en nous sortant un X-Wing et un T-Fighter toutes les années, mais je veux dire, bon,
Outre ce fait-là, on avait des vaisseaux auxquels on pouvait s'identifier. Aujourd'hui, je vois des vaisseaux, je me dis, d'accord, on est sur du Jackie Tuning, et je vais pas forcément acheter quelque chose que je ne connais pas, même si, encore une fois, je ne remets pas du tout en cause ni le savoir-faire de Lego, ni l'esthétisme de ces vaisseaux-là. C'est juste leur rapport, en fait, par rapport à la série. Et du coup, si j'achète plus de Lego Star Wars, et bah forcément, je ne fais plus de mock. Et je ne fais plus de mock aussi parce que, ben vous l'avez vu, j'en ai fait énormément quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, et j'en ai fait bien plus que ce que vous n'avez vu. En fait, j'en faisais des petits pour moi, j'en faisais des certains que j'aboutissais, d'autres que j'aboutissais pas, certains qui étaient aboutis, mais que je me disais, non, en fait, ils vont pas sortir en vidéo parce qu'ils sont quand même assez moches. Donc j'ai dû faire, j'en sais rien, 150, 200 mock Star Wars. Et en fait, au bout d'un moment, bah ça gave un peu parce que l'univers Star Wars étant extrêmement étendu, si on fait un mock sur une planète que personne connaît, et ben je suis désolé, il y en a beaucoup qui vont pas regarder ou qui vont pas adhérer au truc. Et le truc de YouTube, quand même, le principal, au-delà de se faire plaisir évidemment, c'est quand même de vous montrer quelque chose que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, de vous l'expliquer, mais c'est dur de vous expliquer une planète et une histoire avec seulement un mock. Donc voilà, ça devenait compliqué. Et puis bah quand même, mine de rien, aujourd'hui, si j'enlève les, on va dire, goats du milieu du Star Wars qui vous font des trucs absolument incroyables, le reste, ça tourne quand même souvent autour des mêmes planètes, et je trouvais ça dommage de rester là-dedans. Alors vous allez me dire, oui mais Sango, t'es parti dans un univers où tout le monde va faire la même chose, le château de Poudlard, on l'a vu et revu, oui, mais... Tout cela faisant, j'ai tout doucement laissé tomber le Star Wars, les petits vaisseaux, les battle packs, etc. sont retournés dans leur boîte et ils ont été remplacés sur les étagères. Mais bon, on n'oublie pas d'où on vient. J'en ai laissé quelques-uns, vous le savez, il y a le Millennium Falcon List ici, un petit peu plus haut par là-bas, il y a le Star Destroyer, il y a aussi les têtes, et il y a encore deux vaisseaux au-dessus du Faucon Millennium. Donc voilà, il reste des Lego Star Wars, mais j'avoue qu'aujourd'hui, dans ma vie affole, on va dire, Star Wars n'a plus du tout la même place qu'avant. Quelque part, c'est quand même bien pour certains points, parce que, un, on sort un petit peu de ce que, on va dire, quand même, 70% des gens sur YouTube font. Quoique maintenant, ça s'est quand même un petit peu, ça s'est un petit peu élargi. Il y a beaucoup plus de gens qui font du City, il y a beaucoup plus de gens qui vont présenter du Ninjago, des trucs comme ça, ou du Harry Potter, par exemple, ou d'autres gammes, hein. Enfin, je veux dire, tous les moqueurs vidéo qu'il y a, j'envoie à l'appel. Non, c'est pas vrai, personne ne moque du vidéo. Cette gamme, c'était une pure horreur, une chasse de Satan. Heureusement, Lego l'a arrêté. Tant mieux, merci beaucoup. Et c'est bien aussi pour l'aspect portefeuille. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, Star Wars, ça devient de plus en plus cher. C'est vraiment des budgets de ouf. Regardez le dernier AT-AT, 800€. Donc je trouve que Star Wars a quand même... Enfin, Lego Star Wars ont des prix qui sont hyper élevés. Et ça m'arrête aussi un petit peu, hein, faut pas se mentir. Je veux dire, je gagne pas de l'argent comme ça, des 1000 et des 100. L'arbre à billets n'existe pas encore dans mon jardin. Alors tout ça pour dire quoi? Bah tout ça pour vous dire que aujourd'hui, ça va plus servir à grand chose d'attendre absolument du Star Wars sur cette chaîne. Peut-être qu'il y en aura de nouveau un jour, je ferme pas complètement la porte. Peut-être qu'un jour, Lego va reconquérir mon cœur avec des anciens sets Star Wars qui vont me parler, parce qu'ils vont parler au petit Sandor qui est en moi et qui attend peut-être un retour d'une UCS de la Death Star ou d'une UCS d'un X-Wing, peut-être. Alors c'est intéressant aussi de savoir si je suis le seul ou non à penser ça, donc n'hésitez pas dans les commentaires si jamais vous avez eu un avis soit convergent, soit divergent à l'indiquer. Évidemment, j'essaierai de répondre à tout le monde. On essaye aussi de rester courtois, de ne pas se fracasser la tête les uns sur les autres. Ça serait pas mal. Mais voilà, n'hésitez pas à marquer tout ça dans les commentaires. Je les lirai avec plaisir. Et puis, je m'excuse encore pour cet excès de violence au début de la vidéo. Il fallait que je vous marque quelque chose. Il fallait que que j'imprègne votre esprit de cette vision-là. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt, évidemment. Mercredi prochain, on sera en live, comme d'habitude. Il y aura même, je pense, des rediffs qui vont arriver très prochainement. D'autres trucs sont à venir, des gros projets aussi avec mon boulot, donc que je pourrais vous présenter sur la chaîne. Quand même assez content de ce qui arrive. Et puis même si le Star Wars s'en va, le Harry Potter va le remplacer avec du lourd aussi. Donc là-dessus, vous n'aurez pas de soucis à vous faire. Je vous souhaite à toutes et à tous une brixellante journée, comme on dit chez moi. Et je vous dis à très bientôt. Et je m'en vais encore une fois éventrer ma canonnière parce que... quel plaisir quand même. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao.